Bonne nouvelle pour tout Haïtien qui vit aux États-Unis. États-Unis, c'est un pays qui bail en pile opportunité pour vivre, faire business et puis travailler. Haïtien surtout toujours rêvé voyager à le visiter, même là au pas prêté, mais faut que visiter pays tonton Sam quand même. En connaît tout, plus passé 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est sous TPS. Ça qui te voyager 12 janvier 2010, yo te exilé ou bien par un autre moyen illégal, yo te traversé aller aux États-Unis. Pour vivre à les États-Unis, faut qu'ou gen statut légal. Donc je dis ya, on pote yon bonne nouvelle pour ou, chita confortablement, on va l'expliquer parce que à partir de mois janvier là, cause TPS ça pral commencer régler. Bonjour, bonsoir le monde. Comment nous y? M'espérons nous en forme et bienvenue sur Chanel Paula qui toujours marche chercher bonnes nouvelles pote pour nouvelles qui pop kaseke ou. Si vous déjà fait ça, merci. Mais si vous pas fait ça, dégagez ou pressé, abonnez avec Chanel là, quittez un j'aime et quittez commentaire par. Ça y aide Chanel là vivre de jour en jour. Et ça aide le tout respirer bien parce que là vous abonnez, là vous partagez vidéo yo, waouh, on pas cacher dire ça vraiment fait kèman content. On entre dans bonne nouvelle pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle là. Tout monde qui a fonctionné sous TPS qui c'est statut temporaire qui était fait sous président Obama, eh bien moun sa yo pral bénéficier avantage ça à partir de mois janvier k'ap vini là. Alors, si vous faites partie de immigrants aux États-Unis ou c'est haïtien, on pral ba toute information. Pour bien dire, c'est pas seulement haïtien yo non qui gagne cap vivre sous TPS aux États-Unis. Chargez l'autre nation tout, mais on connaît cap nou yo toujours plus répété. Faut me dire, dans date qui était 19 janvier qui s'est passé à là, gouverneur état New Jersey a fille Murphy li même te adopté yon mezi ki mezi liye. Femme di nou nan date ki te 19 janvier ki sot passé a la gouverneur état New Jersey a ki se fille Murphy li même te adopté yon mezi kap entre en vigueur à partir de 1er janvier 2021 kap vini la ki mezi li te. Eh bien, mezi sa li consiste à permettre moun ki sans papier ou bien kap viv sous TPS capable désormais solliciter yon permis de conduire nan état New Jersey. Donc, à partir de 1er janvier 2021, ou même ki nan état sa, ou capable appliquer pour capable joindre yon permis de conduire et l'autre moun yo kap viv nan l'autre state yo tout à partir de 2021 là. Zafè TPS la ap commencé régler. Bon, faut qu'on di nou moun sa yo ki pral jwenn un permis de conduire, gen processus. Nou konnen tout bagay aux États-Unis, c'est sourek. Faut ou apprendre conduire d'abord et puis passer un test de connaissance avant ou jwenn un permis de conduire. C'est pas même genre avec Paborisit, non, moun nan pa konn conduire et puis gen tan gen licence. Kòt bagay sa sorti. Aux États-Unis, pour gagner licence, faut que ou apprendre conduire normalement et yo passe au test. Si toutefois ou pas passer test là, ou pas ka jwenn permis de conduire ça. Mais si ou bien passer test ou a, yo a délivre au permis ou là, ça veut dire que ou a capable sortir avec machine et yo tout conseille ou tout prend plus précaution parce que m'pa kache dou aux États-Unis chargé route passant les routes passant bas. C'est pas bagay piti, c'est pas Haïti ou on sel trace route, mais aux États-Unis chargé route ayoué ak yon paquet lot encore. Pour cause TPS là, fòm di nou, gen plizyen ane depi moun sa yo a viv sou statut temporaire, pa kon kote yo gade. Et pa bliye dernièrement là, président Trump sot pran gro mezi pou fini avec cause TPS là. Ça te bay en pile moun ke sote parce que tourner en Haïti c'est pas un bagay qui facile dit tout. Et gen des moun qui brèt tes cimetière, yo pa jamais met pied yo côté comme ça. Mais quand même, wap toujours été yon haïtien. Donc, gen l'espoir ou met fait kè ou content
ou mettre danser parce que à partir de janvier à là définitivement cause tipier ça ça pral changer. Alors mesdames et messieurs, m'pensez tout gouvernement haïtien a pensé pour défendre tout haïtien qui dans diaspora yo pour yo capable gagner un statut légal. Donc pendant que gouvernement américain a fait ça, li important pour gouvernement haïtien camper ensemble avec yo yon façon pour pas gè force côté et pour tout monde k'ap vive aux États-Unis pendant un bel bout de temps sous TPS. Parce que imagine yon moun te parti depuis 12 janvier 2010 2020 là gè tan fait 20 ans et janvier 2021 côté que yo pral entamer processus pour moun k'ap vive sous TPS aux États-Unis jwenn papi légal yo, ça pral fait 11 ans. En ce sens, li important pour gouvernement haïtien mette tête ensemble avec gouvernement américain pour capable gérer dossier haïtien qui vivent sous statut temporaire dans pays États-Unis. Merci tout le monde et merci avec vous même qui t'a suivi avec attention. Bonne nouvelle ça m'te porter pour aujourd'hui. M'a ba rendez-vous dans une autre vidéo, mais pas oublier non avant que nous quitter vidéo ça. Dégagez, pressez, abonnez ensemble avec Chanel là parce que Chanel ça c'est bon nouvelle seulement nous porter nous pas porter nouvelle cap casser kèw ni tout cap faut frustrer cap faut fâcher cap faut regretter des côté haïtien mais c'est Chanel cap porter bon nouvelle pour de jour en jour cap améliorer situation cap aggraver. Mesdames et messieurs, c'était Foucault, oui, Foucault, zami information qui toujours campé bon côté. M'remenou en pile et gardez bien. Gardez Chanel Paola, activez cloche notification pour capable joindre toute vidéo yo pour pas rater une bonne nouvelle. M'remenou en pile et toujours été connecté, n'a croisé dans une autre vidéo.